La catégorie numéro 1, c'est la catégorie des gens qui veulent que si vous les aimez, vous leur donnez. Ni mtindo wa wale watu wanaotaka kwamba ukiwapenda uwape kitu fulani. Ils sont créés waliumbwa si vous l'aimez vraiment kwamba ukiwa wawapenda kweli. Il faut toujours lui donner des choses. Yabidi uwe na wapa vitu fulani. Prédication sur les flashs. Si vous l'aimez ikiwa wawapenda donnez-lui. Umupe même si vous dites que vous l'aimez. Hata utamwambia kwamba wampenda. Tant que tu ne lui donnes pas des petites choses, wakati wowote haumpe vitu vidogo, en tout cas tu ne l'aimes pas. Kwake haumpendi. Tu vas lui dire je t'aime mon épouse. Utamwambia mke wangu nakupenda. Ah frère bien-aimé. Ah mpenzi wangu. Ah mes enfants. Oh watoto wangu. Ces gens qui sont de cette catégorie là. Wale watu wa mtindo ule. Quand vous ne leur donnez rien. Unapowapenda na hauwape lolote. Pour eux, tu es menteur. Kwao, uko muongo. C'est ton épouse. Aweza kuwa mke wako. C'est ton enfant. Au mwana wako. C'est ton mari. Ni mume wako. Tu l'aimes. Wampenda. Tu dois lui donner des petites choses. Lazima umupe vitu vidogo vidogo. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja wapendwa. On est ensemble. Je, tuko pamoja. J'aimerais que nous allions. Ningependa kwamba tuende. Parce que vous allez découvrir. Na yakuwa mtambue. Que ces gens. Yakuwa watu wale. Vous devez le rendre joyeux. Munapaswa wafurahisha. L'essentiel c'est de leur exprimer que vous les aimez. Ya maana ni kuwaonyesha kwamba unawapenda. Et si vous l'aimez, vous lui donnez. Na kama wampenda, mukabizi vitu fulani. Pas de grandes choses. Si vitu vikubwa. Un fruit. Tunda, une banane, kitika, des petites choses, vitu vidogo vidogo. Et je vais écrire là-bas, donner. Na, hapo ubaone nitaandika kupana. Toi tu vas dire oui ou non. Wewe utasema kwako kwenye ubao wako andika ndio au hapana. Soit c'est oui, si c'est oui, kama unapenda wakupe sema ndio. Vema. Weka vema hapo. Si c'est non, kama ni hapana, tu vas faire un mie byangu hata unime tu hakuna problem. Uko unaniambia mimi nakupenda hata ukipenda unime mimi unaambia tu mimi nakupenda kwangu hakuna problem. Mm-hmm. Ça dépend de vous. Yatokana na wewe mwenyewe. Alors, vous avez de malchance. Sasa una bahati mbaya. Vous avez marié une femme. Ulioa mke de la catégorie des données. Wa mtindo wa kupewa. Malheureusement pour toi, tu ne sais pas ça. Haufanye hivi. Tu vas lui dire toujours je t'aime madame, je t'aime madame, je t'aime madame. Wewe utamwambia mpenzi nakupenda nakupenda. Mais tu ne lui donnes jamais de petites choses. Bali haumpake vitu vidogo vidogo. La femme va toujours te dire tu ne m'aimes pas. Mke wako mara atakwambia haunipendi. Si mimi nakwambia kama mimi nakupenda, unataka nini tena? Mais chaque fois je te dis que je t'aime, qu'est-ce que tu veux? Mimi haunipendake. Tu ne m'aimes pas. Même si tu as 100 dollars. Hata kama una dola 100. Tu lui dis d'aller acheter les habits. Unamwambia aenda kanunue vazi. Elle ne sera pas contente. Hata furahia hiyo. Elle veut que toi tu ailles au marché. Mke wako anapenda wewe uende sokoni. Tu achètes. Ununue. Tu lui amènes. Umuletee. Tu lui dis prends ton cadeau. Unamwambia chukua zawadi yako. Et on trouve beaucoup de problèmes dans les foyers. Na, utakuta shida nyingi katika ndoa. Mwanamke mnapatia, mimi namwambia kati kama mimi nampenda. Mais hanipendake naye. L'époux, mon épouse, chaque fois je la dis que je l'aime, mais elle aussi ne m'aime pas. Oui. Ndio. Même si ce sont des enfants. Hata kama ni watoto. Il y a même des catégories ici. Ule ule mtindo huu. Des enfants. Ya watoto. Qui aiment que. Wanaopenda kwamba. Quand tu viens avec des petits bonbons. Uwalete vitu vya kuwafurahisha. Tu vas avec des petites choses tu leur donnes. Ukiwa na vitu vidogo wapeni. Mais d'autres. Kwa wengine. Quand tu leur dis je t'aime ça suffit. Umwambia hapo tu ya kwamba unampenda yatosha kwake. Vous allez dire est-ce qu'il y a un verset aussi pour ces gens? Utasema je unaweza kuwa andiko kwa mtindo oui. Wale ndio. Jean 3:16 dit quoi? Yohane 3:16 yasema nini? Dieu a tant aimé le monde. Kwa kuwa Mungu alivyopenda ulimwengu. Il a
donné son fils unique. Akamtoa mwana wake wa pekee. Le fait pour Dieu de nous montrer qu'il nous aime. Mungu kutuonyesha kwamba anatupenda. Il nous a donné son fils. Alitupa mwana wake. Donc si Dieu ne nous aurait pas donné son fils, il n'aurait pas montré qu'il nous aime. Mungu asinga alitupatia mwana wake, hangetuonyesha kwamba anatupenda. Ma couple mingi zikwamo problème. Ndoa nyingi zinazo amo shida. Simplement parce que uko na waza mwenzako anapenda umupe mewe uko na kuya tu mikono wazi. Par le fait que ton compagnon aime que tu lui donnes, mais chaque fois tu viens, mais vite. Ça n'a pas besoin de l'argent. Si, mambo yanayo garimu pesa. Des petites choses. Mambo madogo madogo. Tu prépares la nourriture. Unapo anda chakula. C'est prêt. Imekuwa tayari. Tu as acheté deux bananes. Ulinunua vitika hivyo viwili. Deux. Viwili peke. Unavificha. Ton époux vient de manger. Bwanako amemaliza kula. Tu prends les deux bananes. Unatoa vile vitika viwili. Unaweza kula na hizi banane mbili. Peux-tu manger même ces deux bananes? Un neuf. Yai moja. Unaitokotesha. Tu caches. Il a déjà mangé. Unaificha akiwa amemaliza kula. Tu dis, mais tu peux manger aussi cet œuf. Kisha tena unamwambia mpenzi unaweza kale hii. Le cœur avec le cœur tu lui donnes l'œuf. Ile roho ambayo imekusukuma kumupa yai sera plus grand que celui avec lequel tu as passé 50 minutes en train de pétrir une grosse pâte. Itakuwa kubwa kuliko muda yule ambayo ulipitisha ukimsongea ugali kubwa. Tu passes au marché Virunga. Unapopita kwenye soko la Virunga. Tu es monsieur fulani. Wewe ni bwana fulani. Tu achètes des saucisses. Unanunua saucisse mbili. Cache dans les sachets. Unaficha katika. Le soir sachet. Vous êtes dans votre chambre. Magharibi mnapokuwa chumbani mwenu. Vous avez déjà mangé, vous voulez dormir. Mulishamaliza kula mnataka lala. Tu lui dis chérie. Unamwambia mpenzi. Je vais te parler un peu. Nataka kukusemesha kidogo. Oui chérie. Ndio rafiki. Si elle est orgueilleuse, elle va dire acha kunisumbua. Na kama yeye ni wa kiburi atasema alors que tu voulais lui exprimer l'amour. Ingala ulitaka umuonyeshe upendo. Imbwa ya kiburi na kufiaka kumnyororo. Elle viendra. Atakuja. Unanita chéri. Tu m'appelles ma chérie. Ndio, 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 ndio. Ndio. Angalia oui. Mule shakoshi. Regarde da. Il y a un petit sachet là-bas. Kuna. Elle va ouvrir. Atafungua. Saucisso. Anakuta saucisson ndani. Ah, ok. Vema, vema, vema. C'est pour qui? Hii ni ya nani? No, je voulais t'amener seulement. Nilipendelea nikulete. C'est plus grand pour elle si elle est de cette catégorie. Kwake yeye ni kubwa kama ni wa mtindo huu wa kupewa. Vous avez été béni. Ulibarikiwa. Vous passez au marché. Unapita sokoni. Vous achetez des bananes. Unanunua vitika. Vous cachez. Unavificha. Vous avez 5 enfants, vous achetez au moins 5 bananes. Kama una watoto tano unajitahidi kuleta vitika tano. Les enfants veulent dormir. Watoto wanapotaka lala. Vous avez déjà prié. Wamekwisha omba. Vous les appelez. Unawaita. Les enfants. Watoto. Venez ici. Njoni hapa. Oui maman. Ndio mama. Je vous ai réservé une petite chose mes enfants. Kuna zawadi ndogo niliwatayarishia. Regardez dans la petite corbeille là-bas. Mwangalie mwakale kakitunga kadogo. Les enfants amènent ça. Watoto wanaleta. Ça c'est quoi? Eh hey, mama de banane. Eh hey, mama alituletea vitika. Alors vous dites moya moya. Ndiposa unawambia un à un. Les enfants grandiront en disant. Watoto watakoma wakisema. Papa likuwa natupenda sana. Notre père nous aimait tant. Alors que ce sont des bananes. Ingalao ilikuwa tu ni vitika. Ça c'est la catégorie aimée. Hiyo ni mtindo kupenda. Aimer en donnant. Unapenda ukitoa. Toi tu es de quelle catégorie? Sasa wewe ni wa mtindo gani? C'est à toi de dire oui. Ni wajibu wako kusema ndio. Ou non. Au hapana. Vous avez même dans la vieillesse. Hata katika uzee. Vous avez beaucoup. Una vingi. Même dans ce que vous avez. Sorry. Même de ce que vous avez. Hata vile unavyo. Une chose de ce que vous avez donné à l'autre dit beaucoup. Kamoja tu mwa vile unavyo kapatie mwenzako mwambie anakupenda. Ce que vous donnez. Kile unachopana. Même dans la pauvreté. Hata katika ukosefu. Ça n'a pas besoin que vous soyez riche. Haitaji kwamba uwe uko tajiri. Il est vieux. Yeye ni mzee. N'a même pas de table sur laquelle manger. Hata hawana meza ya kukulia yako. Mais il offre quand même quelque chose. Bali anaonyesha mwenziwe ya kwamba anampenda. Ça c'est l'amour de donner. Ile ni upendo ile ya kupana.